Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. On va donc parler aujourd'hui de deux solutions sous iOS 16. La fonction décrocher, vous allez la retrouver sous iOS 15 sans problème. Mais la fonction raccrocher, vous ne la trouverez que sous iOS 16. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux solutions qui vont vous permettre de décrocher et de raccrocher votre iPhone sans jamais toucher à votre iPhone. Ça peut être vraiment très utile pour certaines personnes en situation de handicap de mobilité, c'est-à-dire des personnes en TMS, des membres supérieurs. Vous allez pouvoir, avec iOS 16, décrocher et raccrocher sans avoir besoin de toucher la vitre de votre iPhone. Ça peut être aussi très utile si vous êtes par exemple en train de faire quelque chose loin de votre iPhone. Ça peut être vraiment une solution d'accessibilité utile à tous. Allez, je vous montre tout de suite comment fonctionne cette fonctionnalité et je vous montre les deux solutions pour activer cette fonction. Ça fait partie des nouveautés iOS 16. C'est parti. Soit vous allez utiliser ce que l'on appelle le contrôle vocal, soit vous allez pouvoir utiliser Siri, tout simplement. En fait, ici, on va demander à Siri d'activer le contrôle vocal pour nous. Dit Siri, activez le contrôle vocal. Très bien, j'ai activé la commande vocale. On a donc activé la commande vocale. Maintenant, je vais lancer un appel. C'est parti, regardez ce qui se passe. Toucher répondre. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ici, j'ai bien répondu à l'appel, puisque si je mets l'écouteur de mon téléphone fixe, voilà, on entend que c'est un peu bruyant, les deux haut-parleurs sont côte à côte, c'est pas bon. Maintenant, je voudrais faire toucher, raccrocher. Voilà, donc j'ai raccroché sans problème. Toucher, répondre. On devrait m'entendre dans l'haut-parleur sans problème. Ok. Toucher, raccrocher. Voilà, donc maintenant, vous allez trouver ça dans les commandes vocales. Pour activer cette fonction, vous allez vous diriger dans réglages, dans accessibilité et dans contrôle vocal. Je vous montre ça tout de suite. Ouvrir accessibilité. Les fonctionnalités d'accessibilité, face idée, contrôle de sélection. Contrôle vocal, oui, bouton. Contrôle vocal, activé. Contrôle vocal vous permet de commande suggérée, puce activée assistive, touch, contrôle vocal, France, personnaliser les commandes, bouton, personnaliser, bouton, navigation de base, bouton, incrustation, bouton, geste de base, geste avancé, dictée, bouton, navigation dans le texte, sélection de texte, modification de texte, suppression de texte, appareil, bouton, baisser le volume, ou passer, raccrocher, oui. Voilà, donc c'est à cet endroit que vous allez cocher cette case, raccrocher, qui va vous permettre de pouvoir avoir accès à cette possibilité de raccrocher votre téléphone, quoi qu'il arrive, si vous êtes à distance et si malheureusement vous ne pouvez pas aller physiquement toucher votre écran, ça sera possible maintenant par le biais de la commande vocale. Plutôt cool, non? Cette technique, vous allez aussi pouvoir l'utiliser avec Siri. Exemple ici. Appel entrant, numéro masqué, prendre l'appel, bouton. Dit Siri, répondre. Répondre. Voilà donc l'un des avantages ici avec Siri et VoiceOver activé, l'haut-parleur se met automatiquement. Et ça c'est plutôt cool, ça permet en fait d'avoir directement notre interlocuteur directement sur haut-parleur. Et maintenant je pourrais dire, dit Siri, raccrocher. Raccrocher. D'accord. Voilà donc les deux astuces iOS 16 pour décrocher et raccrocher votre iPhone sans jamais toucher l'écran de votre iPhone. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à la partager, à mettre un petit j'aime, ça encourage toujours la chaîne et ça m'encourage moi aussi à vous faire encore plus de contenu. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines astuces iOS 16. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous.